Kapouk bat le monde entier. Oh, Balingaka. Pour l'Anda, interview à la salle en Zambé. Il y aura moyen. Il y a retour dans la question dans la prédication. Tu es dans l'église. Émission à Bino Yango et Simami. Et pas à Sœur Florence Ndouzi. Sœur Florence Ndouzi, yé à Ziambaka, la chaîne YouTube, là, yé, le Parvis TV. Le Parvis TV, vous s'abonnez massivement dans le Parvis TV. Beaucoup de tabassal en Zambé, beaucoup de moko au Bino Bolingaka. Sœur Florence Ndouzi, à Yambarabango, la chaîne, là, yé, le Parvis TV. Beaucoup de moyens, occasion, il y a pour ça l'échange. Il y a la question, il y a pour finir la homme de Dieu. Parce qu'une église aura un moyen de faire des colonnes à chier. Mais l'émission, il y a Sœur Nabino Florence, dans le Parvis TV, beaucoup de joie, moyen, il y a beaucoup de salles, il faut poser la question. Il faut s'abonner massivement. Et pas Sœur Florence, beaucoup de salles, il faut avoir plus d'opportunité, il y a poser la question. Tout simplement pourquoi? Parce que le pauvre Lazare était pauvre. Na mukilia wa mais à côté pelo dans la pauvreté pays. Amen. À ma pauvre, à coli pauvre, si à coupé pauvre, rempli du Saint-Esprit dans la bataille moi. Parce que pas au prier kaka pour nous avoir pas moula bango financièrement, on va ma pessi bango ma koki, il y a pour partager penda mo bazan pour pas vivre bénédiction mais ils ne le font pas. Il pèse naître pauvre, à coli pauvre, à bali pauvre, à avancer pauvre, à couper pauvre. Mais l'Hollandais a au côté naïe. Il y a un moment que pauvre Lazare, les raquets dans ses jours de mort, à couper quartier mobile, parce que nous avons un combo d'Abraham, les saints d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, de son vivant, n'avait pas refusé de donner son fils unique à Dieu Isaac. Amen. Et lorsque Abraham a donné, il fit imputer en justice. Amen. Et Dieu a récompensé Abraham. Amen. Et lui, les morts, a nassé à on vend la kouneye badite, na kwa ta te de mort, pe, a komo vend la soussou, adresse ne wati, et pas Abraham. Et pas bon. Tout le monde. Amen. Na moukile a son adresse. Avant les lourdes, à Fouki, qu'on appelle sous place à Kéry, avant de la soupe à Batou. Ça y est, mon gros, y'a là. Non, on va dire pas Batou, n'a qu'il chasse pas. N'a pas de bonnes pas Batou. Partout, on va dire pas Batou. Partout, on va dire qu'il y a des gens dans les il faut se solo comprendre. Qu'est-ce que Dieu me demande dans sa langue, dans sa langue? Amen. Si tu as la bonne moyenne, situation nini oyo za nango oyo zo mona ke nzambe azako senga yo po ata la kondima na yo azako mettre yo à l'épreuve tala siko situation ya vie na yo tala problème oyo za ko traverser bien aimé eza musala o balongoli yo eza kozanga mbongo kozanga bisika kovanda non parce que oza orpheline to oza orphelin oza na place a kolala te tala siko bisika ozali place ozali baza ko condamner yo baza ko yebisa ke no yondo za na ndoki yondo yo ko bebisa libota tala bisika ozali eza juste épreuve o nzamba zo permettre ke o traverser na moment wana alors na moment wana eloko na ko senga yo eza ke ozala na confiance en toi nzambe eza facilité. C'est ça la préfiguration, c'est ce qu'on appelle la préfiguration. Oui. Donc c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Amen. Mais la pensée qui était cachée, c'était que Dieu lui-même devait se faire un jour sacrificateur. Amen. Donc Dieu devait porter la chair de l'homme, devait devenir semblable comme Adam. Oui. Parce que Dieu est esprit par rapport à Jean 4, 24. Oui. Jean 4, 24 nous révèle que Dieu est esprit. Oui. Mais c'est Dieu qui est esprit, devait porter un corps, devenir sacrificateur. Amen. Sacrificateur, c'est-à-dire quoi? Tuer un sacrifice, tuer un animal. Mais l'animal qui devait être tué, c'était Dieu lui-même, mais sous forme de sacrifice. Amen. Donc, dans un autre langage, Dieu s'est tué. Un enfant de Dieu, celui qui veut adorer Dieu, doit accepter de manger l'agneau dans sa totalité et de ce qui est de l'intérieur de l'agneau, même ce qui est amer, un enfant de Dieu est censé. Je donne un... Amen. Mais avec l'expérience, il y a quelques fois que nous prions, nous nous adressons à Dieu seul. Nous nous adressons à Dieu seul. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit, la Bible déclare que le Saint-Esprit nous prie à notre faveur
par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, quand nous parlons, nous faisons des prières personnelles avec, devant le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui intercède à notre faveur à ce moment-là, au travers de parler en langue. Amen. Là, les repentances, là, on a les doutes, on ne sait pas si vraiment il est né de nouveau. Parce que si tu es vraiment né de nouveau, c'est pour cela que c'est bien d'être encadré, et c'est bien aussi, aujourd'hui, les enfants ne veulent plus être encadrés, et les enfants sont en train de choisir maintenant le père spirituel. Ça, je trouve ça, c'est très grave. Parce qu'un enfant qui n'est pas encore né, comment il va savoir ses parents? Vous savez, un père spirituel, c'est un choix judicieux de Dieu. Amen. Et quelqu'un qui n'est pas encore né, à Zoroba, qui ne t'aime pas papa mais jamais. Nous, les gens qui fuient son église, ils disent que parce que j'aime ce pasteur-là, il fait beaucoup de miracles, il a beaucoup de membres. Toi, tu fais des choix de est-ce que moi, avant, c'est pour ça qu'il y a. Amen. Il y a une notion, j'ai toujours parlé d'une notion du caleçon du sacrificateur. Ouais. C'est ça. L'homme de Dieu, ça, ce sont des rouleaux. Il faut qu'on fume là-bas, rouleaux. Alléluia. Amen. Et Dieu dit ceci à Aaron. Il dit, lorsque tu vas monter pour offrir les sacrifices, porte les caleçons, afin que Israël ne puisse pas voir ta nudité. Ouais. Je voudrais profiter de cette tribune pour dire aux pasteurs, aux docteurs, aux évangélistes. Les missionnaires, on est même sur les plans pratiques pour ne pas encore sauter des étapes. Sur les plans pratiques, vous verrez que les gens qui mettent va marier en contact, comment on va marier prochainement, au moins on a pas bagarre au loup. Au moins la commissionnaire, on a sur dans le lequel là, moi si il pas là, tu serais pas mon bali. Attends moi si on a ça bon côté, au moins à Kocha Mungu, Kocha Philippines, et bandier pas naïté, banana pi. Au moins on a même sur les gars bêtes les sur la mon bali, on a même mon bali là, à ça bon côté. 85 ans, à couper mon bali, ma bien adresse. Missionnaire, nous avons fait là. Oui. Comment on fait là? Oui, papa. Mais vous avez fait là, il faut vous expliquer, on fait là. Président de la République en Congo, M. Félix, c'est ce qu'il dit. On fait là, papa n'a pas fait ça. Nous avons fait là, bisounours. Vous comprenez ma maman? Jésus a dit une chose, on peut retrouver ça dans la Bible. Oui. Jésus a dit, vous me suivez, non pas puisque vous avez compris l'essence du miracle que j'ai fait. Mais vous me suivez à cause du pain. Donc, vous voyez aujourd'hui, les gens suivent et viennent vers Jésus pour des choses qui sont matérielles. Le preuve est divine. C'est l'élément de la souveraineté de Dieu. Dieu peut coopérer avec la personne, mais il peut s'imposer sur toi parce qu'il veut créer une histoire avec toi. Mais par contre, la tentation évoque notre convoitise, notre attirance vers quelque chose qui nous séduit. Donc, il y a ici cette nuance entre l'épreuve et la tentation. Dieu ne peut jamais tenter quelqu'un. Là, nous sommes dans l'épître de Jacques, verset 13. Qui rend voleur à Ibaka. Mais, nous comme ça, on a ce qui est vraiment péché, on est cueilli. Ndekoya kotia talimbongo atalimpiaka atalimbongo mama atalimpiaka ndekoya lobi mbongo yefa na awa na okenango me eri muka santi na lobi na okenayo me ndeko na ngai ayeli boswa mbongo atelami omoni suki peche rekirase longwe yesu apiritie l'iniquité le peche la na plus de pouvoir. Amen. Alors maintenant alobi na maboko na ye, alobi maboko na ye biko yo kaka. Zwambo, toke nango. Maboko aso bouge. Alobi na ye, alobi na yo zwambongo, toke nde na ye, na tana posa mbongo, kote na poche. Maboko aso bouge te. Zwambongo, aso bouge te, alobi, ok, komo bouge te, nga la keyi nangaika. Les conséquences du pardon... Aujourd'hui, même dans le domaine médical, on parle de maladies psychosomatiques, c'est-à-dire les maladies de l'âme. Des maladies de l'âme qui créent des symptômes dans le corps et même des maladies comme l'ulcère, comme la tension,
qui ont des problèmes digestifs. Le roi de biblique se diffère un peu du roi normal de la langue française. Ici, le roi ne sous-entend pas forcément seulement l'huile qu'on versait sur la tête, parce que pour certains, on pouvait verser l'huile sur la tête pour qu'il soit considéré roi par rapport à la mission, par rapport à la fonction qu'il devait occuper. Mais il y avait aussi de ces rois dont on appelait roi et que l'on reconnaissait comme roi, mais uniquement par Dieu lui-même, sans qu'on ait vu une cérémonie dans laquelle on versait l'huile sur leur tête. Je citerai par exemple Moïse. À ma connaissance, personne n'a oué Moïse. Personne n'a versé l'huile sur la tête de Moïse. Mais il a été oué par Dieu lui-même à partir de l'appel qu'il avait reçu du Seigneur. La repentance, ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas synonyme de l'indépendance, parce que celui qui se répond, ils ont tout à comprendre nous, que on a celle les amabé. Et puis l'air au comprendre en mieux bâtir comme libre totalement. Non, donc et là quand on a celle amabé, conscience le symbio, c'est alors qui au quoi avouer aux une zélam et puis une zélam rejoindre en zambé, nous bâtir comme il est libre. On dit que vous allez moins en zambé, nous bâtir vous allez libre totalement, ce n'est pas ça. L'apôtre Paul, il explique à plusieurs reprises dans Romains, dans les épîtres aux Romains, il explique à plusieurs fois qu'il est l'esclave et puis l'homme en soi n'est pas libre. C'est ça. Soit on appartient à Dieu, soit on appartient